Et bonjour les amis, alors on se retrouve pour le pronostic Quinté Plus de ce dimanche 1er novembre 2020. Donc tout d'abord, n'hésitez pas à aller voir ma chaîne YouTube secondaire du PMU que je vous mettrai en info, en fin de vidéo et dans la section communauté de la chaîne et elle sera également en description sous la vidéo. Ensuite, n'hésitez pas à aller voir le pronostic écrit du Quinté Plus et la fiche de mes bases du Quinté Plus de ce dimanche 1er novembre. Donc je vous les mets pareil ici, en info, là, en fin de vidéo et dans la section vidéo de la chaîne. Donc allons-y pour le pronostic de ce dimanche 1er novembre. Donc ce sera la R1C4 à 15h15 à Laval. Ce sera la ville de Laval, le prix de la ville de Laval. Ce sera de l'atelier sur 2850 mètres et il y aura 16 partants. Et c'est une corde à gauche. Mon niveau de confiance est de 2 sur 5 pour cette course-là. Mon favori sera le 14, ce Bello Romain, drivé par Barrier. Ma base sera le 12, Diable de Vauvert, drivé par Gélormini. Mes outsiders seront le 15, Clark Soto, drivé par Cédric Terry. Le 5, Baccarat de Niro, drivé par Viels. Et le 8, Darlington Park, drivé par Senet. Mon jeu simple sera donc le 14. Mon second favori sera le 12. Mon tocard sera le 15. Et mon regret, le 16. Aldo d'Argentre, drivé par Lamy. Pour ce qui est de mon conseil de jeu. Alors, mon 2 sur 4 sera le 14-12. Mon 2 sur 4 combiné sera le 14, 12 et 10. Pour ce qui est de mon couplet combiné, ce sera le 14, 12, 10 et 15. Pour ce qui est de mon multi-en-set, un champ total, que vous pouvez jouer en flexi, hein, bien entendu, ce sera le 14, 12, 10, 15, 13 et 5. Pour ce qui est de mon tick 3, ce sera le 14, 12, 10, 15 et 13. Pour ce qui est de mon quinté plus, un champ réduit que vous pouvez jouer en flexi bien entendu, ce sera le 14, 12, 10 dans ma base et le 15, 13, 5, 11, 8 et 16 dans mon champ réduit. Pour ce qui est de mon quinté plus, de mon jeu en 8 chevaux pour le tiercé, quarté, quinté combiné en 8 que vous pouvez jouer en flexi bien entendu, ce sera le 14, 12, 10, 15, 13, 5, 11 et 8. Pour ce... Et puis voilà pour le pronostic quinté plus. Donc pour ce... Donc sur ce, je vais vous laisser. N'hésitez pas à aller voir ma chaîne YouTube secondaire du PMU, qui est en description sous la vidéo, dans la section communauté de la chaîne, en info et en fin de vidéo. N'hésitez pas à aller voir le pronostic écrit et la fiche de mes bases. Pareil pour ce dimanche 1er novembre que je vous mets ici. Et en fin de vidéo, et bien sûr dans la section vidéo de la chaîne. Mettez un maximum de pouces bleus, abonnez-vous, partagez et nous on se revoit dès demain. Dès ce soir, pardon. Bye les amis.